J'avais 20 ans, je caressais le temps, j'ai joué de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, mes yeux cherchant le ciel et mon cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je jugeais le bon en critiquant le monde avec des invoques. Hier encore, j'avais 20 ans, et j'ai gâché mon temps à faire des folies qui me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas, non. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, j'ai jeté le meilleur. J'ai figé mon sourire et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, à présent, mes 20 ans? Où sont-ils à présent? Où sont-ils à présent? Mes 20 ans, où sont-ils à présent? Où sont-ils à présent? Où sont-ils à présent? Mes 20 ans. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview, une interview très particulière puisque j'ai une chanteuse, j'ai une femme déjà, j'interviewe très peu, beaucoup trop peu de femmes sur la chaîne Guitare, donc Nina Guetta, je suis ravi de t'accueillir ici, bienvenue au showroom intergalactique. Merci, moi je suis très heureuse que tu nous accueilles ici parce que c'est un plaisir et un honneur. Eh ben écoute, j'espère que ça va bien se passer surtout et que tu vas nous raconter plein de belles histoires de guitare. Et Yann Viette, musicien professionnel mais aussi abonné de la chaîne Guitare, que je suis aussi très content de recevoir, il n'y a pas de raison quoi. Il n'y a pas de raison, ouais, ouais. C'est la place, ouais. Ouais, quand même quoi, ouais. Et puis on a à peu près tous les trois presque la même coupe de cheveux en fait, hein. On n'est pas loin en fait. Hein. Oui, enfin quand ouais. Même on n'a pas une coupe comme ça. Ouais. Surtout pas la tienne. Ouais. Ouais. Quand même, ouais. T'imagines qu'on soit frisé comme ça. Ça serait...
ça serait quand même difficile à porter. Alors bienvenue sur la chaîne Cheveux, donc on va faire une chronique, qu'est-ce que vous utilisez comme shampoing, etc. Bon, plus sérieusement, on va parler de Enivrez-vous, donc ce chouette album que j'ai découvert, puisque Yann m'avait contacté, tout ça, il m'a dit « Ouais, je travaille avec une chanteuse, c'est vachement bien, elle a sorti un chouette album, tout ça, qui est sorti donc à la fin de l'année dernière. » Et donc forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que ce projet a commencé, comment vous êtes rencontrés, comment tu as rencontré cette hurluberlue, Nina ? C'est à toi qu'on pose la question. Ah bah oui. Alors c'est une histoire de hasard de la vie, comme plein de rencontres qui peuvent être magiques. Quoi. ¶¶